vidéo différente aujourd'hui. Je ne vais pas entrer en forêt tout de suite. Je vais m'attarder aux fleurs qu'on trouve dans les champs en friche et qui peuvent avoir des propriétés intéressantes pour les randonneurs. Le trèfle blanc, sa fleur qui pousse au bout d'une longue tige. On peut la mettre dans un potage pour aromatiser. On peut la manger crue en salade. Et si on l'ajoute à une grande quantité de sucre et quelques pétales de rose sauvage, on peut en faire un miel artisanal. La marguerite blanche, quand les fleurs sont ouvertes comme ça, il est trop tard pour mariner les boutons qu'on ferait comme des câpres. On peut cueillir les fleurs, les faire sécher, les broyer pour les ajouter à une soupe de légumes. Et on peut en saupoudrer des concombres, des courgettes. La prunelle vulgaire, qui va être en fleur tout l'été. La tige pourrait être beaucoup plus haute, donc on peut ajouter la fleur dans les salades. La plante, donc autant la feuille que la fleur, mâchée, déposée sur une blessure, va arrêter le sang de couler. Et ensuite, on fait une infusion et on peut nettoyer la plaie, puisqu'elle a des grandes vertus antibiotiques. La veste jargeau, riche en protéines, on ajoute les fleurs en salade. Les fleurs sont très sucrées, souvent habitées par des petits insectes qui sont quand même inoffensifs, mais si on aime mieux les enlever. Et puis plus tard, la graine, on peut la moudre en obtenir une farine qu'on va ajouter à la pâtisserie. Les pois de senteur qui dégagent un parfum absolument enivrant. On les sent là, juste à passer à côté du buisson. Et à maturité, vont produire des cosses avec des pois à l'intérieur, mais il ne faut surtout pas les manger, c'est non comestible. Le trèfle rouge, semblable au trèfle blanc pour la fleur, c'est sucré aussi. C'est une plante très intéressante pour les sportifs, puisque faire une infusion avec le trèfle rouge, ça aide à prévenir les courbatures après une bonne grosse journée de marche. Le silène enflé, c'est pas vraiment comestible, sauf au printemps, les jeunes pousses, parce que ça contient beaucoup de saponine. Donc justement, de ce fait, on peut l'ajouter à de l'eau chaude et on obtient une eau avec des propriétés de détergent, ce qui peut être fort utile en randonnée. Entre le champ et la forêt, il arrive qu'on doive longer une route de campagne. Mais sur le bord des routes également, on peut trouver des plantes intéressantes. La matricaire odorante qui s'installe au soleil dans des lieux fortement piétinés. Les fleurs et les feuilles ont une odeur et un goût léger d'ananas, donc on peut les croquer telles quelles. Ça fait comme une petite friandise sous la dent. On s'en sert surtout pour aromatiser les desserts. Ou le pain, la bannique. Et on peut faire une tisane avec les fleurs séchées. Le plantain majeur, lui aussi pousse dans un sol pauvre, comme le matricaire. Avec les jeunes feuilles, donc celles qui sont plus tendres, on peut faire une tisane qui va soulager des allergies si on en prend régulièrement. Sinon aussi, on écrase la feuille, on peut même la mâchouiller et on la frotte sur une piqûre d'insecte ou une brûlure d'ortie d'herbe à puce ou même une vraie brûlure et ça va aider à soulager. L'achillée millefeuille, une fleur très très commune. Pour le goût, c'est un succès d'année de la sauge. On peut broyer et mâchouiller les feuilles et en faire un cataplasme. On peut stériliser une plaie et aider à la cicatrisation, donc c'est utile en randonnée aussi. Avec les fleurs, on peut faire une tisane qui va aider à combattre le rhume et la gastro-entérite. Pour les femmes ménopausées, ça aide à réduire les petits désagréments. Les framboisiers sauvages. Est-ce qu'on a besoin de plus de détails? Il ne faut surtout pas s'empêcher de cueillir des framboises parce que les ours aussi les aiment. On leur en laisse un peu. Et puis on chante ou on parle tout seul si on a peur de les surprendre. L'onagre bisannuel,
qui ouvre ses fleurs au crépuscule. Au printemps et en automne, on peut manger ses racines qu'on fait cuire comme un légume. On peut manger sa fleur comme collation. Avec les feuilles, on peut faire une infusion qui va soulager l'estomac des reflux gastriques, par exemple. Et plus tard, à la fin de l'été, les graines, certains disent qu'elles sont comestibles, mais ça peut aussi donner des maux de tête. Donc, il faut être prudent. La petite oseille, bien facile à reconnaître avec ses ailes de chaque côté. Des feuilles qui sont désaltérantes à mâchouiller. On peut aussi en faire une tisane qu'on laisse refroidir et ça nous donne une limonade rafraîchissante. On peut aussi incorporer des feuilles à une soupe ou une salade, mais il ne faut pas en mettre beaucoup parce que ça contient de l'oxalate de potassium, comme les oxalides, la grande molène. Les feuilles sèches servent d'isolant contre le froid. On en met dans les chaussures ou entre deux couches de vêtements. On l'appelle le papier de toilette des bois, mais attention, il y en a pour qui c'est très irritant. L'ortie du Canada. On la trouve souvent en bordure de route, à proximité d'un étang comme ici, parce qu'elle aime les lieux quand même humides. Une douzaine de jeunes feuilles dans une tasse d'eau, fait bouillir à peine 30 secondes. Ça donne une infusion nourrissante, riche en calcium. On peut en faire un potage, on peut manger les feuilles bouillies. Moi, ce que je préfère, c'est d'ajouter les feuilles blanchies au fromage qu'on fait avec du lait cru et du jus de citron. Il faut faire attention en les cueillant, c'est fortement urticant. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo pourra vous être utile et surtout que ça vous donne le goût de vous documenter davantage. On en a toujours à apprendre. J'en profite pour faire un petit coucou à mes deux amis anglophones, Nomadic Woodsman et Mosher Canadian, qui aiment bien quand je fais des vidéos sur les plantes. Je vous mets un lien vers leur chaîne dans la description.